Salut tout le monde, c'est Inax, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Gridfall pour continuer notre aventure. Dans l'épisode précédent, on avait quitté la ville et on s'était arrêté à un camp vu le nombre d'heures qu'il nous fallait pour traverser, pour atteindre la nouvelle région. On avait parlé à Vasco qui nous a filé une quête pour retrouver ses origines vu qu'il avait été... Données, disons, pour être nôtre, on va essayer de lui rendre service. Here we are. We have a good view from here. The harbor office is well guarded, both outside and inside. Getting through the main entrance is impossible. There must be a blind spot. There's always one. You could dress as a knot and go through the back door, but someone may recognize you inside. I'll need to be much more discreet. A potion could help me. That is an option, yes, but since I'd rather avoid hurting any knots, I made some inquiries. The harbor office has an arrangement with Dieter from the brothel. Girls come every night with wine. I see. You want us to spike the wine so that they sleep during our search? It's a proven technique, and I can assure you they do not sniff the wine before drinking it. Right. Let's get a sleeping potion. Then we'll go see Dieter. D'accord. Il va falloir faire des potions endormantes, ils appellent ça. Obtenir des somnifères. Alors au niveau de la carte, on nous dit rien. On va aller chez nous. On va voir si on peut fabriquer leur fameuse potion. Alors. Endormante. J'ai pas l'impression qu'on puisse les fabriquer comme ça. Potion endormante. Ah, il me manque des polypores hirsutes. C'est des champignons. On va aller visiter l'extérieur de la ville. Donc les amis, j'ai dû même changer de zone pour essayer de trouver les compos. Je pense que on devrait avoir ce qu'il nous faut. On a dit que c'était... Et je dois être à moitié aveugle. Ah non. C'est ça? Oui. Voilà. Les hirsutes sont des champignons qui sont contre des arbres qui sont debout et entiers, bien évidemment. Donc, on va assembler ça tout de suite. Donc, il nous en faut 4. Très bien. Maintenant, on va aller voir le tenancier. Alors, j'ai mis un petit moment à trouver quand même les compos. C'est pour ça que je ne vous ai pas mis ça en vidéo. De toute façon, dans les zones, on ira ensemble. Comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble. Donc le tenancier, il est au sous-sol. Très bien.
parler au lieutenant Tater. Attendez, attendez. Avant de faire une bourde. Obtenir les somnifères. On va voir ce qu'il va nous dire. Yes, why? You looking to have a good time? Parler des livraisons de boissons aux nôtres. It seems like you are sending girls and wine to the harbor office every night. So, there's no law against that, is there? No, and I'm not here to stop you. Listen, Dieter, we just wanted to add a secret ingredient to your wine tonight. What? Are you joking? Are you trying to slip a laxative in it? We were thinking more of sleeping pills. Nothing bad, you see. Listen, I have nothing against a little prank, but I can't risk losing my best customers. Alors, est-ce que notre charisme va suffire? Captain Vasco is very influential among the Nauts. Maybe he could help expand your excellent clientele even further. If you accept, I could arrange for your agreement to come to fruition. In San Mateus, for example. After such a blow, oh là là, j'ai un charisme de merde. But I'm pretty sure I'll lose the one I already have. You will have to find another way to perform your little joke. Sorry. Oh le salaud. It looks like my plan has fallen apart. I'll have to be discreet. You should dress like a knot. And maybe take a haze potion. Yes, good idea. Donc au final, j'ai préparé les potions pour rien. Bravo. Donc du coup, il faut des tenues de notes. La vraie question, c'est est-ce que j'en ai? Alors il faut juste le torse apparemment. Les tenues de notes. Notes méfiants. La vraie question c'est est-ce qu'on a la bonne indication? Je sais même plus. On verra sur place. On verra sur place. It would be better if you go there at night. It will be much more discreet. In your usual clothes, you'll not go unnoticed at the port. But it's up to you. Attendre que la nuit tombe. Bien évidemment. We just have to wait for nightfall. All right, it's dark enough. It's time to move. I'll wait here as planned. I can't risk getting caught there. Don't worry. I'll make sure not to hurt anyone. Good luck, Desardi. Petite sauvegarde. Et donc il faut rentrer là-bas. Il y a du monde ici. On va passer au-dessus d'eux alors. La vraie question, c'est comment on redescend ? Là, il y avait bien des gardes ici. Ah, lui, il est ici.
comment ça se fait qu'on peut venir ici et ne rien pouvoir faire? C'est un petit peu con. À moins qu'il faut une compétence spéciale. Je ne vois pas comment faire. Donc au niveau du port, on me dit rien. Par là-bas, je peux pas y aller. En tout cas, je ne peux pas grimper. Alors ça, c'est vraiment un grand mystère. Parce que si je vais par là, on va me voir. Non, même pas. D'accord. La clé de la capitainerie. Donc il faut monter. Dossier personnel de Vasco. Bon. Faut revenir sans nous faire repérer. Bah voilà, tout simplement. C'est parfait ça. Allez, on va aller voir Vasco. Damn it, I told you not to hurt anyone. What happened? I was spotted. I didn't really have a choice. Quoi? I explicitly said I didn't want my brothers to be hurt. I should never have trusted you with this mission. I'm sorry. But I managed to recover your file anyway. You should take a look at it. Let me see that. Mais j'ai tué. Alors, est-ce qu'il compte comme quoi je les ai tués avant? Son of the Darcy family from Serene. Nobles, I suppose. Yes.
I must admit that I had no idea they had given a son to the Nords. To think that I spent my childhood polishing ship bridges when I could have been wearing silk. I'm sorry for you, Vesco. But growing up in nobility is not as simple as it sounds. Really? Well, whatever. I've learnt my real name, thanks to you, and that's what I wanted. Leandra Darcy. I remember coming across a Darcy at my uncle's court. Your brother, no doubt. My brother? What was he like? It was a long time ago. We were children. I couldn't tell you what he looks like today. A brother? I wonder if we are alike despite our completely different lives. Thank you for sharing this and for telling me about him. You gave me back my identity. This is more important than the Nords care to admit. Ah, on a regagné 3 par contre. Donc résultat, niveau des quêtes. Donc bien évidemment, on a ces deux quêtes. Ça, c'est l'exploration, on les met de côté. Progresser dans la quête principale, on la met de côté. Champion de l'arène, pour l'instant, c'est pas pour l'instant. Et on va faire donc celui-là. Niveau poids, on est bien. Allez, c'est parti les amis. On se retrouve directement dans la nouvelle zone. Et nous voilà de retour dans la nouvelle zone. Donc il y avait des mobs ici, je les ai tués lorsque j'ai voulu essayer de chercher donc nos ingrédients pour les potions qu'on n'a même pas utilisées du coup. Donc au niveau de la map, vous voyez, j'ai visité un tout petit peu. Donc le camp qu'il faut atteindre se trouve ici. Et là nous avons donc un hôtel de compétences, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, on va aller le voir avec une zone de campement. Je pense que ça fait partie de l'exploration à faire pour notre quête. C'est juste de la déco. Ah, l'hôtel est ici. On va d'abord visiter pour savoir s'il y a quelques petits trucs à prendre. Non, on lit rien. Ah, que. Fouiller. Aubépine. Tunique de pisteur. Ok. Et l'hôtel de compétences activé. Vous gagnez un point de compétence. D'accord. Ah, je sais pas combien il y en a. Mais ça peut que nous rendre service. Point de compétence. 1. Donc celui-là, on l'a. Donc, choc d'ombre. Alors le choc d'ombre, on est bien d'accord. Projectile d'ombre. Mouvement éclair. Donc ça nous coûtera encore moins cher. Et le prochain. Permet d'atteindre les ennemis à plus longue distance avec choc d'ombre. D'accord. Ça va nous rallonger un petit peu notre range. Ça c'est bien ça. Il y a une bâtisse droit devant. Donc nous avons un marchand. D'abord regardez sur la droite. Il y a une catastrophe dans le coin là. Donc c'est une sorte de petit village.
Ah, un autre feu de camp. Ce sera le deuxième. Village des mineurs. Il a pas l'air très grand le village. Quelques coffres. Donc les amis, j'ai visité un petit peu le camp. Il n'y a rien d'intéressant. Hormis, au bout du camp, on a une ancienne mine qu'on va pouvoir visiter. Donc je ne suis pas rentré vu qu'on pourrait y avoir une quête qui nous amène. On va continuer à visiter donc cette petite région. Et s'il y a quelque chose d'intéressant, je vous le montre. A tout de suite. Allez, il paraît d'avoir quelques mobs assez méchants ici. C'est parti. Très bien, ça s'est pas trop mal passé. On va dire ça comme ça. Champignon. Un champignon. On a du mal à les trouver. On va prendre tout ce qu'on trouve. Hein. Bon ben on va voir s'il y a quelque chose à loot dans les parages. Des mobs. Note du professeur. Ah, on a trouvé une note. Ça y est. Je vous laisserai lire sur une pause. Très bien. Très très bien ça. Je suppose qu'il faut augmenter la vigueur et certaines facultés pour pouvoir avoir toutes les notes. Il faut d'abord que j'aille un petit peu plus haut. Car il y a des chemins que je n'ai pas pu prendre. Il faut que j'augmente certaines caractéristiques. Un peu de poison sur ma blade. Then let's go! Move away! Things are about to get dicey! Take a potion if you want to cast more spells. Let's see if you can ward off. Je suis bien content qu'il soit venu. Et il y en avait un dernier. Ici. Très bien. De sacrés endroits à visiter, hein.
d'abord. C'est reparti. Du coup, ici il n'y a rien du tout. Très bien. On va visiter la partie où on devait aller. Je pensais pas que c'était aussi grand ces petits secteurs. Note de travail de... Ah, une deuxième note. Très bien. Ça nous en fait 2 sur 4. Oula. Les amis, on a... J'ai l'impression qu'on a un petit boss. Juste là. La côte des grands eaux. Mais écoutez. On va quand même tenter, on est là pour ça. Il est tout seul. Ils sont quand même costauds, mes potes, hein. Hop là. Let's see if you can ward off this feint. Take a potion if you want to cast more spells. You're running out of energy. Drink a potion. Let's see if you can ward off this feint. Take a potion if you want to cast more spells. You're running out of energy. Drink a potion. Hey, ma quand même mis, hein. Move away. Things are about to get messy. Let's see if you can ward off this fate. Take a potion if you want to cast more spells. Allez, on lui a détruit toute l'armure. Qu'il apprécie pas les coups que je lui mets. Je suis bien content d'avoir le dash. Enfin, j'espère qu'il a un beau loot, hein. Faut juste un petit peu de patience. Allez. On reste à distance. On est magicienne après tout, hein. On sait pas me servir autant du dash dans un combat. Ah là là. Allez. Let's see if you can ward off this fate.
Ah là là. Allez-y, on le finit maintenant. Et voilà. La légende des plaines. Niveau 10. Fragmentos du seigneur des plaines. Ça, ça va. C'est quoi? Vous avez prélevé ce fragmentos. Après un marchand. 150. J'aurais même faire une arme avec. Je suppose qu'il pourrait repop. On va voir ce qu'il y a en haut. Donc nous avons un coffre. J'ai l'impression que c'était quelque chose pour moi. Entrer dans le tumulte des hauts rois. D'accord. Donc nous avons trouvé une autre grotte. Écoutez les amis, après ce long combat, on va se laisser ici. Donc, likez la vidéo si elle vous a plu. Cela me fera plaisir. Si vous voulez continuer à me suivre dans cette aventure, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine.